Welcome to the timeless elegance of Latlas. After a long-lasting relationship between the French artist and Collie Gallery, the timing was finally right to initiate a solo show. The exhibition is accompanied by a complete monograph that showcases Latlas' creative oeuvre. After more than a decade, here he is in Zurich. J'ai évolué dans le monde du graffiti dans les années 90 à Paris. J'ai travaillé le graffiti, mais j'étais tout de suite très proche de la lettre. Je me suis intéressé à la calligraphie et je suis parti pendant plusieurs années, entre 1999 et 2007, dans différents pays, au Maroc, en Égypte, en Syrie, puis au Japon, puis en Chine, à chaque fois avec des maîtres de calligraphie. One of the most significant influence on his work is the tradition of ancient calligraphy. When looking at Latlas' creations, the reference to Arabic script becomes immediately clear. The artworks of Latlas are distinguished by their minimalist aesthetic, wherein simplicity and clarity of form converge to create a striking visual impact. En Chine, j'ai appris à graver des tampons sur du marbre, donc c'est ce qu'on appelle la sigillographie, c'est l'art des sceaux. Du coup, aujourd'hui, je fais des tampons en bois, des matrices, et ce sont les toiles que je viens poser sur ces matrices. Ces séries-là, que j'appelle Fades and Drips, sont plus proches de l'action painting, et voilà, de quelque chose de plus intuitif, de plus pulsionnel, de plus intérieur, sur lequel je viens superposer cet esprit très concret, très rationnel de la géométrie à travers les lettres. Et ici, ça, ce sont des fenêtres de métro où normalement il y a des publicités et que je récupère dans le métro et qui me permettent de travailler toute la partie gestuelle à l'arrière de la vitre et toute la partie calligraphique à l'avant. J'ai ingurgité, absorbé tout l'héritage de la calligraphie orientale, transgressé tous ces codes à l'intérieur de la typographie latine, mais avec l'esprit du graffiti. D'utiliser mon nom, le nom que je m'étais choisi, l'Atlas, comme matière première à une œuvre. Et l'Atlas, c'est aussi ça, c'était de casser les frontières entre différents mouvements de l'abstraction et de créer comme un syncrétisme. Donc l'Atlas, c'est la carte, c'est comme une universalité des traditions calligraphiques et des traditions de tout ce qui est abstrait dans l'histoire de la peinture. C'est vrai qu'aujourd'hui, on étudie l'histoire des écritures en archéologie, alors que ça n'est pas étudié en histoire de l'art. Donc un de mes combats de fond aussi, c'est de faire rentrer la lettre dans l'histoire de la peinture.